Wesh, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 30 de GTA 5. Il est quelle heure? J'ai même pas lancé mon chrono, il est 19h07. Oh, mais surveille ton langage, écoute. Donc il est 19h17 et on est le 5 mai, hein, c'est le lendemain de la journée Star Wars. On va se voir qui. J'aimerais bien finir les quêtes de. Ah, il y en a une là qui pourrait être avec Inconnu et des braquets, très bien. J'aimerais bien finir Michael ou Trevor. What's that? Cachette d'herbe. Ah, faut que je fasse ça aussi, putain. On va se faire. Lester. C'était écrit en plus à droite, je crois. C'est après. Donc, ouais, l'épisode précédent. J'ai fait de la merde en conduite, évidemment. Oui, je suis très mauvais pilote. Hein. Non. Ça passe. Hop, désolé, j'ai reçu un message. Je suis en train de chercher mes mots. Ah, Beverly. Ah, cool, Beverly. Pardon. Beverly, l'occasion de faire des photos mémorables. Ok, hop. C'est bon. Oh la vache, je vois rien. Donc il faudra qu'on fasse ouais, du Beverly. Tout simplement. Ah, pute. Mon chrono. En plus, je me plante de route. Voilà, merci. Oh, j'ai rayé ta voiture. Non, c'est pas mon chrono, c'est mon unitaire. Ah. Il y a Jésus. So like, man, I know it's rough out. Hey, what's up, homie? What's up, homie? It's all good. My dad's really happy with me. He loves you too. Your dad loves me? Oh, he loves everybody. Oh, that's cool. Yo, like even when they catch his wave, or when he gets cut in line at the amusement park, or even when he orders a chai latte, and somebody steals it, and then the man's like, who in God's name ordered a chai latte? Oh shit, he sounds like a cool dude. I mean, he used to be a little bit nasty, but then I came around and he dropped back. Man, I never really knew my dad. Yeah, he's kind of distant, though. I mean, he travels a lot. It's kind of crazy, but I still love him. Even though all my friends say I shouldn't because of what he did to me. All right, man, look, I gotta get back to normality. Yo, it's cool, homie. Gosh. Be cool. C'est tout? C'est tout? T'as pas mieux? Seriously, now, come on, move! Bon bah. So, like, the alternative to life, man, is death. Ok, bon bah, super. C'est bon, on va pas passer 3 heures avec Jésus. Là. Jenna Beach Café. Ah, Lester. So what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but
Man, I don't think the nigga deserves to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulids. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. And he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right. Fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Buddy. À l'hôtel. La moto. Elle... J'ai plus ma moto. Ah putain, j'ai peur. Putain. J'ai galéré à la gagner celle-là. Bon d'accord. Je sais même plus comment je l'ai eu en fait. J'ai fait une ellipse. Enfin pas une ellipse, rien du tout. J'ai pas enchaîné les épisodes. Wow. Right. Whoa. Non. C'est à côté. Ah d'accord, j'avais pas vu du tout en fait la plate. Ouf. Handicapé, bravo. Les gardes sont arrivés pour escorter la cible. Elle devrait quitter l'hôtel sous peu. Planifiez rapidement votre attaque et trouvez un poste d'observation offrant une bonne vue sur l'hôtel. Assassinez la cible. C'est qui la cible déjà? Bon bah on va choper un bon spot. Pour avoir un bon spot sur l'hôtel, je pense qu'il faut grimper, non? Ah, tu tournais un peu trop tôt. Voilà. Et du coup, je me suis perdu. Ah non, ça c'est la loose. Ça sent la chute là. Ça sent clairement la chute. Bon, on va aller à l'étage inférieur. D'accord. Non, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi j'arrive pas? Ah d'accord, bah je suis super mal passé, j'aurais peut-être dû rester en bas. Putain. Ah, that loose. Ah non, bah là. Voilà. Bon, c'est qui la cible à assassiner? Ah bah là, voilà. Take off! Oh my God!
my units report immediately. Boss is down. Oh la vache. Oh, Franklin est mort. Ok. Ok, ok, ok. Non, bah, en plus, on s'est tapé toute la route inutilement. La sniper. Ah, et puis je vois pas, j'ai mes FPS devant. Départ de l'autre. Et puis vous avez la caméra, vous, de toute façon. C'est écrit quelque chose en bas à droite. C'est super chiant. Allez, ah. Y'a pas quelqu'un. Bon, allez, viens le boss ou pas là? Ok. Ah voilà, ça va être là. Départ de l'hôtel, c'est dans le rouge. Vous venez pas? Autrement, s'il commence à partir, je peux péter les deux là. Oh les petits fripons. Keep your eye out for anything unusual. Let's see if we can. Man, you get what you give out, Mr. Lowry. We got a shooter. Take cover. Shots fired. Shots fired. Ok, on va changer d'arme. All nearby units report immediately. Boss is down. Get in. Bon bah, et on va faire une. On a eu la cible. Hein. C'était le but, non? On a deux étoiles, ça se gère. On est en moto, ça se gère. Ok, ça va, on va les distancer. Voilà. Wow. Pour un grand axe en fait. Voilà. Bon bah en fait c'est assez simple. Hein. Fallait juste se barrer. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je nourris si ça tourne. Mission accomplie. Bon, bah, on l'a eu. Agrandir. On a réessayé, sinon on a fait tir de précision, on a gagné 9 000, super. Merci, c'était super. Oh non, non, lève. Je déteste le casque. Alors, il nous reste 6 minutes. Enlève ton casque. Hey, it's done. Oh, I know, good work. Alright, well shit, let me know about the next thing. Will do, but before that, I've got to tell you something. Our investment portfolio is getting a little, successful, so I figured we needed some tangible assets and property, so we bought a house in the Vinewood Hills. Yeah, sure, man, whatever. You know best about this shit. And we needed someone to live there for tax purposes, so some guys are moving your stuff in. Oh, shit! Meaning I don't have to live with my crazy-ass aunt no more? Man, I don't know what the fuck to say, dawg. Don't say anything, especially if a man in a suit comes to the door. Ah, I'm joking. That probably isn't gonna happen. It's yours. Enjoy it. 3671 Wispy Mound Drive. Ah, c'était pas ça. Il nous reste 5 minutes. C'est cool. Eh, si, c'est par là. Moi, ce que je voulais faire, c'était aller là. J'ai... Ouais, on va suivre la route que, en fait, je vous propose. À déménager dans une nouvelle maison à... ok... Ici, regardez votre point. Ah, on a une nouvelle maison. Et il y a encore elle. Il est où elle? Ah, il est là.
Allez, vas-y, on est sur la route. Quasiment. Certains événements dans le jeu peuvent influencer les valeurs, la valeur des actions des entreprises. Anticiper les variations pour en tirer davantage profit. Ah oui, c'est vrai, en fait, j'ai des actions, moi. Tiens, en parlant de ça, je n'ai même pas, en fait, d'actions. Internet, c'est ça. iPhone. D'accord. Je sais plus du tout, c'est hein, publicité, sponsorisé, on s'en fout. Cliquez sur la flèche dans le navigateur. Ah, c'est du QWERTY. Tu peux écrire comme ça? Ah, c'est bon, je peux écrire comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que. Bah, on va pas chercher, ça va faire trop de pub. iFine, ok, donc média et divertissement. Non, on s'en fout, recherche. Ah, c'était clic droit, d'accord. D'accord, y a pas, c'est où? We cannot find the page you are looking. Ah. Ok, bon, c'est pas grave. Les actions, je sais même plus si on les trouve où, les actions. Paramètres, liste d'activité. J'ai rien à faire. Si, normalement, c'est quoi les paramètres? Oh, on s'en fout de ça. Ah. Bon, je vais quand même regarder. Alors, on va faire voyage et transport. Ils ont quoi? Ils ont ça, on s'en fout. Life Invader, on connaît. Les Power Rangers de l'espace. Kung Fu Rainbow Laser Force, the upper middle class superhero team that protects your innocence any way they can. They are Tallulah, Sebastian Caden, Zoe, Quota, and Dirk. We don't tolerate difference. We're heterosexual overdam. Yeah! Fighting evil in multicolored skin tight cut off suspended. Cow! I'm happy to wait. I don't even need to masturbate. I did it all on the face of justice. Sex is bad. And violence is good. Gonna save the neighborhood from sex. Série 3, épisode 7. Ah, mais il y a un épisode! And what does science teach us that caused the dinosaurs to go extinct, Tallulah? Bon, on va pas se le faire. No, not a giant meteor. Ah, merci. C'est violent! on est mardi. On va chercher la bourse, tiens. Est-ce qu'il nous propose quelque chose? Non, rien. Ok, c'est clic droit pour repartir, je crois. Non, c'est page précédente, voilà. Bon, allez. Je sais plus comment on avait fait. Enfin, je re-regarde, parce que je ne suis pas du tout intéressé. Il fait chaud, mais oui, je suis à 26 degrés. Oui, dans ma pièce à 26, ce n'est pas mal. Allô? Ok, you know Redwood cigarettes? Oui. Sure, the cigarette that built America. They've rigged a jury to throw a class action lawsuit that would cover the treatment costs of thousands of emphysema sufferers. There are four corrupt jurors on Redwood's books. I'll send you the details. Oh, and we only have a few hours to make them disappear. The court case is tomorrow morning. Is that all, dog? Shit, that's quite a favor. And that's quite a house you're living in. Get this done quickly, and I'll try to throw in a sweetener as well. Now, I'd advise picking up some long-range hardware to get this job done. You'll be helping a lot of people with this, Franklin, including anyone who might have a sizable investment in, say, debonair cigarettes. Ah, c'est le moment de faire des... faut que je trouve. Ah, ça m'embête, ça. Ça m'embête vraiment. Internet, la bourse. Argent et service. C'était quoi les... Éliminer le jury, ouais. Euh...
Oh, pardon. Argent et service. Toutes les cibles doivent être éliminées dans le temps imparti. Oh, sérieux. Ok. Bon. Eh, hey, mais tais-toi, j'ai dit. Chut, chut. J'arrive pas à cliquer dessus. Voilà, merci. Du coup, on va se faire ça pour le prochain épisode. Je vais chercher comment avoir pour faire pour la bourse. Et moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao tout le monde. Pousse.